Bonjour, chers internautes. Je suis le ministre Mamadou Touré, ministre en charge de l'insertion professionnelle, de la promotion des jeunes, du service civique et porte-parole adjoint du gouvernement. Je me réjouis de participer à cette première édition de cette émission du CICG qui permet donc à des membres du gouvernement d'être en direct face à des internautes pour répondre donc à toutes les préoccupations en lien avec nos secteurs d'activité. J'estime que c'est un processus démocratique, transparent, qui nous permet de nous adonner à un essai de redevabilité, puisqu'au quotidien, nous travaillons pour vous, nous travaillons en tout cas en ce qui me concerne pour les jeunes, et je me réjouis donc de participer à cette activité. Je voudrais saluer donc la directive du CICG. Alors, selon les règles qui m'ont été donc données, cette émission va se faire en trois parties. Dans la première partie, il y aura donc la présentation du ministre. La seconde partie, donc je serai à vous pour des questions, réponses, suggestions, analyses. Et dans la troisième partie, j'essaierai donc de donner mon mot de fin. Alors, pour parler de moi-même, ce n'est pas toujours aisé, mais comme c'est le but de l'exercice, donc je me suis présenté, ministre en charge de l'insertion professionnelle, de la promotion des jeunes et du service civique, porte-parole adjoint du gouvernement. Dans une vie antérieure, donc avant d'être à la tête de ce ministère depuis 2018, j'ai été pendant une année et demie secrétaire d'État en charge donc, de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Et j'ai eu l'opportunité de conduire la réforme donc de l'enseignement technique de la formation professionnelle dans mon pays. Avant ça, j'ai passé 6 ans à la présidence de la République, d'abord comme conseiller technique, ensuite comme conseiller du président Alassane Ouattara en charge des questions de jeunesse et du sport. Et à ce niveau, j'ai eu à participer à de grands projets tels que l'organisation des Jeux de la Francophonie. J'ai été nommé en 2013 par l'ancien Premier ministre Duncan comme président du comité technique donc, de ces Jeux. Donc j'ai piloté l'équipe qui a monté les dossiers des candidatures, qui allait défendre la candidature donc, de la Côte d'Ivoire et qui a pu, grâce au leadership du président Ouattara, obtenir ces Jeux. J'ai supervisé aussi, pour le compte de la présidence, la construction du stade des Bimpe. J'ai participé aussi à l'opération sur la CAN 2021 qui est devenue 2023. Mais avant ça, j'ai été donc conseiller technique dans plusieurs ministères, à l'enseignement supérieur, à la construction et au ministère de l'intégration africaine avec le ministre actuel du transport, dont j'ai été le conseiller technique. Au niveau de ma formation, donc j'ai commencé mes études en droit, j'ai fait ensuite un master en affaires internationales, j'ai fait des études en diplomatie et j'ai fait un autre master donc, en management des politiques de développement obtenu à Sciences Po Paris. J'ai été très engagé donc, dans la vie associative jeune, membre du comité exécutif de l'Union panafricaine des jeunes, qui est la structure de jeunesse de l'Union africaine. J'ai été dans cette instance importante pendant 4 ans. J'ai été aussi très engagé politiquement, vous le savez, très tôt, porte-parole jeune du candidat Hassan Ouattara, directeur de campagne adjoint chargé de la jeunesse en 2010. Membre des instances du RDA et aujourd'hui membre des instances du RHDP. Donc voilà ce que je peux dire concernant donc ma participation donc et mon parcours. Et pour ce qui est donc de l'actualité de mon ministère, depuis donc avril 2021, le ministère donc de l'emploi des jeunes, de la promotion de l'emploi des jeunes est devenu ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Donc il y a un volet important qui s'est ajouté au département ministériel qui est le service civique. Et depuis lors, je travaille à la tête d'une équipe dynamique à donner un contenu à ces volets-là. Et nous avons vraiment travaillé sur le premier volet, c'est-à-dire les premiers volets, insertion professionnelle et la promotion des jeunes. Il s'agit donc d'une continuité. Donc l'idée aujourd'hui, c'est donc de passer à échelle, d'amplifier les actions qui sont déjà menées en faveur donc des jeunes. Et sur le volet service civique aussi, c'est de faire des réformes profondes pour que justement le service civique devienne une réalité dans notre pays avec des actions d'encadrement des jeunes pour en faire des citoyens modèles tels que voulu par le président de la République avec le concept donc d'Ivoirien nouveau. Donc aujourd'hui, j'ai pu finaliser avec mon équipe la politique nationale jeune qui reprend toutes ces stratégies, la stratégie d'insertion professionnelle des jeunes, la stratégie de promotion des jeunes, la stratégie donc du service civique.
Et 2022 sera donc l'année de mise en œuvre de toutes ces stratégies qui ont été élaborées, bien évidemment en attendant la validation de ces documents par le Premier ministre. Nous avons, en termes d'actualité, pour vous laisser rapidement la parole, nous avons cette dernière semaine mené beaucoup d'actions. J'ai été dans le Nord, notamment dans les zones aujourd'hui jugées sensibles par rapport donc, au terrorisme. J'ai été à Kafolo, j'ai été à Tengrela, j'ai été à Ferke. Et dans quelques semaines, je serai donc à Téini, à Bouna. Et l'idée pour nous, c'était donc de mobiliser toutes les énergies et des actions du ministère en faveur des jeunes de ces zones-là pour que justement leur vulnérabilité ne soit pas un prétexte pour que les discours éventuellement de certains djihadistes qui ne sont pas en Côte d'Ivoire soient audibles au niveau de la jeunesse. Mais au-delà des jeunes donc de ces régions, depuis 3 ans, c'est énormément d'actions menées sur l'ensemble du territoire national. Quand je prends le programme social du gouvernement pour la période septembre 2019 et décembre 2020, c'est 121 000 jeunes qui ont été traités sur l'ensemble du territoire national pour à peu près 59 milliards de francs CFA. Ces 121 000 jeunes, ce sont des jeunes de notre dispositif, c'est-à-dire les actions menées directement par le ministère. Mais à côté donc de ces actions, nous avons aussi, avec la politique menée par le gouvernement, des emplois formels qui ont été créés par le secteur privé ivoirien, et pas des jeunes embauchés par l'administration ivoirienne. Quand je prends la période, c'est près de 300 000 jeunes qui ont eu une opportunité d'insertion dans notre pays, donc sur la période. Entrepreneuriat des jeunes, travaux à être intensifs des main-d'œuvre, stages de qualification qui permettent de mettre des jeunes en situation de travail dans des entreprises pour leur permettre d'avoir une première année d'expérience professionnelle, stages de validation donc de diplôme, apprentissage pour permettre à des jeunes d'apprendre un métier et de pouvoir travailler. Voici les programmes que nous avons menés, sur lesquels j'espère nous aurons l'opportunité donc d'échanger. Donc ce sont ces activités que nous continuons donc de mener. Et puis sur le service civique, à la demande du Premier ministre, comme je l'ai dit, nous avons travaillé sur une stratégie qui va nous permettre donc rapidement de passer à échelle. Pour vous donner une idée, les 3 dernières années, c'est 1500 jeunes en Côte d'Ivoire qui sont passés par les centres de service civique en Côte d'Ivoire. L'idée pour nous, à partir de 2022 jusqu'en 2025, c'est de traiter 60 000 jeunes. Et pour ce faire, nous aurons 14 centres du service civique avec une capacité d'accueil de 14 000 jeunes par 1 000 jeunes par an. Donc ça fera 14 000 jeunes en tout, qui d'ailleurs le centre du service civique de Boaké est en cours de construction et sera opérationnel donc dans 4 mois. Donc le passage à échelle permettra aussi donc, de donner une opportunité à un plus grand nombre de jeunes vulnérables dans notre pays d'avoir un encadrement militaire, d'apprendre un métier et ensuite d'être inséré. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur donc, l'actualité du ministère, qui est votre ministère. Maintenant, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, des points de compréhension, des critiques, des observations, des suggestions, je suis entièrement à votre disposition. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer donc à la seconde partie. Je consulte ma tablette pour voir les questions qui pourraient donc venir. Donc, nous passons maintenant donc à la partie donc des questions-réponses. Et comme je l'ai dit, je suis vraiment à votre disposition. Bon, pour le moment, je n'ai pas de questions. Est-ce à dire que le ministre a été suffisamment clair? Ah, bon, d'accord. Donc, il y a Josiane Kwame, et je la cite, « La jeunesse est en proie à un incivisme total. Que prévoit le ministre en charge du service civique pour que les paradigmes changent ?» Je suis totalement d'accord avec Josiane. Nous avons, et les questions d'incivisme, ce n'est pas seulement lié aux jeunes, vous avez des moins jeunes qui sont aujourd'hui auteurs donc d'actes d'incivisme. Et c'est un véritable problème pour notre pays. Vous avez toute la dynamique économique que nous avons, les succès importants que nous avons aujourd'hui peuvent être remis en cause si nous ne travaillons pas sur l'homme. On le voit sur les routes, avec donc ce que l'incivisme a entraîné, des morts, des accidents, etc. Et je voulais ici saluer donc la campagne importante qui a été faite par mon collègue ministre du Transport, qui a permis en quelques mois de réduire donc le nombre donc de tués sur les routes et le nombre donc d'accidents. Et là, il faut continuer dans tous les secteurs d'activité. Au niveau du ministère, dans la stratégie donc du service civique,
nous avons trois approches. La première, dont je l'ai dit tantôt, c'est 60 000 jeunes que nous allons traiter ces prochaines années. Ce sont des jeunes qui sont en grande difficulté dans nos différentes communes et villages, que nous allons accueillir dans des centres du service civique, 3 mois de formation militaire, 6 mois d'apprentissage à un métier, à la clé, un stage, et après, ces jeunes sont insérés. L'expérience a montré que quand ces jeunes passent par ce dispositif, on retrouve des jeunes modèles, des citoyens consciencieux, et même quand on les place en entreprise, en tout cas les retours qu'on a, ce sont des jeunes qui se comportent de façon bien. Ensuite, au-delà donc des centres du service civique, le ministère va développer une stratégie sur un service civique national. L'idée, c'est de donner l'opportunité à tous les jeunes de ce pays, donc d'avoir un parcours lié au civisme. Je verrai avec ma collègue d'éducation nationale, avec qui nous avons déjà entamé de façon informelle la discussion, pour que en 2022, on ait donc une phase pilote qui pourrait s'adresser à quelques écoles. Là, on est en décembre, bientôt ça sera le congé de Noël. Qui n'est pas angoissé par ces congés anticipés où des élèves peuvent s'adonner à des actes de violence contre les professeurs, contre leurs camarades élèves, etc., juste parce qu'ils ont envie d'aller donc en vacances à la date, pas souhaitée par le programme scolaire, mais souhaitée par eux-mêmes. L'idée, c'est de voir donc comment ces jeunes peuvent être pris en charge dès le collège et que périodiquement, ces jeunes rentrent dans un parcours lié au civil, des regroupements de 2 semaines, voire à 2 mois, pour leur inculquer des valeurs du civisme, leur donner un minimum d'encadrement militaire et leur permettre justement d'être des citoyens modèles. Et à ce niveau, nous avons 2 approches possibles. La première, c'est que tous ces jeunes que nous allons détecter comme des jeunes difficiles, des jeunes taillés dans les établissements, nous allons proposer qu'au lieu de prendre ces jeunes et les mettre systématiquement en prison, on puisse avoir des centres d'encadrement pendant 2 semaines, pendant la période de vacances de ces jeunes. J'aime pas le mot redressement, mais une réhabilitation donc de ces jeunes pour ne plus qu'ils s'adonnent à ce genre d'actes. Je suis en train de négocier avec l'INPHB de Yamoussoukro et d'autres établissements, avec l'INPHB de Yamoussoukro par exemple. Nous aurons la possibilité d'avoir 2000 jeunes, 2000 à 3000 jeunes pendant la période de vacances, c'est-à-dire pendant 2 mois, de juillet à septembre, un regroupement de ces jeunes à Yamoussoukro. Et ces jeunes vont apprendre les valeurs citoyennes, le civisme, etc. Et ces jeunes auront aussi un encadrement militaire et seront amenés à poser des actions communautaires. J'ai aussi décidé que tous les jeunes Ivoiriens qui bénéficient des programmes de l'État, et notamment les programmes de mon département ministériel, signent des clauses donc, d'engagement au civisme et à la citoyenneté. On donne des stages à des milliers de jeunes, on donne de l'emploi à des milliers de jeunes, on donne des travaux à haute intensité de main d'œuvre à des milliers de jeunes. Ces jeunes doivent, en contrepartie, être aptes à aller poser des actions communautaires pour leur pays et pour leur environnement. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Alors, apparemment, il y a une deuxième question. Donc, il y a Cassinho Sekongo. Monsieur le ministre, il est reproché au gouvernement de ne pas suffisamment encadrer et protéger les jeunes qui travaillent dans l'informel. Qu'est-ce qui est fait pour remédier à cela? Alors, je suis d'accord que le secteur, la proportion de population aujourd'hui travailleurs dans le secteur informel est trop importante. Dans les pays africains, ça oscille entre 70% et 90%. La Côte d'Ivoire était à 93% il y a quelques années. Nous avons baissé aujourd'hui un peu, nous tournons autour de 90%. C'est déjà un pas important qui a été fait, mais le volume donc, de travailleurs au niveau du secteur informel reste trop important. Et il faut forcément changer de paradigme et inverser donc, cette tendance. Pour ce faire, le gouvernement a créé aujourd'hui un ministère en charge donc de la formalisation du secteur informel. Le ministère donc des PME est en charge donc de cette question. Et il y a une série d'initiatives qui sont développées aujourd'hui. Le statut du jeune entrepreneur qui permet à des jeunes qui veulent entreprendre aujourd'hui, qui souvent sont freinés par les taxations, impôts, taxes, etc., d'avoir une taxation unique de 2,5% par an. Et ce qui donc est très bas, mais leur permet donc de mener leurs activités en entrepreneuriat sans avoir donc avoir des préoccupations d'impôts, des taxes, etc. Donc c'est l'une des solutions. L'autre solution, c'est Côte d'Ivoire PME. Ce dispositif, c'est une agence d'exécution qui est justement là pour accompagner tous ceux qui sont dans le secteur informel qui veulent aller donc vers le formel.
Donc voici les deux instruments. Donc au niveau du dispositif légal, on a aujourd'hui un statut qu'on a créé pour les jeunes entrepreneurs avec une taxation plafonnée à 2,5%. Et il vous faut aller à l'information. Aller à l'information parce que je constate que beaucoup de jeunes qui créent leur entreprise, qui entreprennent, ne savent même pas que de tels dispositifs existent. Maintenant, vous avez une agence d'exécution dont le rôle justement est d'accompagner tous ceux qui veulent avoir un accompagnement pour sortir de l'informel, pour aller vers le formel. Je pense qu'il y a une troisième question, c'est Seka Kounandi. Monsieur le ministre, pourquoi les jeunes désireux de faire du commerce ne sont pas pris en compte dans les projets emploi jeunes? Ce n'est pas vrai, Kounandi. Je peux vous dire même que le secteur du commerce est le secteur majoritaire dans les financements que nous mettons en place. Près de 40 à 50% des financements mis en place donc le sont dans le secteur donc, du commerce. Donc, pour répondre de façon directe, les jeunes qui sont dans le domaine du commerce sont pris en compte donc, dans les dispositifs. D'ailleurs, si vous suivez un peu mon actualité, j'ai été à Tangrela et à Ferke il y a une dizaine de jours. Et à cette occasion, j'ai visité des jeunes qui sont dans le domaine du commerce. Un qui avait une boutique qui marche très bien. Et puis d'autres qui avaient donc deux types de commerce qui étaient développés. Donc le secteur du commerce est bel et bien pris en compte dans nos dispositifs. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Alors, il y a Béranger Arthur. Monsieur le ministre, qu'en est-il des FCQ, notamment l'emploi qui doit en résulter? Alors, le principe des FCQ, les formations complémentaires qualifiantes. L'idée, c'est de dire que malheureusement, on a beaucoup de jeunes qui ont des formations de base, mais ces formations, soit universitaires ou techniques, etc., ne leur permettent pas d'avoir un emploi. Donc, ça revient à la question de l'inadéquation entre la formation reçue et les besoins des entreprises. Donc, le gouvernement veut régler ça à travers les FCQ dont vous parlez. Ce sont des formations complémentaires que nous donnons à des jeunes en vue donc de leur reconversion dans des secteurs qui, pour nous, devraient leur permettre d'avoir donc du travail. Si vous avez, j'ai donné cet exemple à la télévision la dernière fois, une licence en anglais ou une maîtrise en anglais ou en espagnol, que vous n'arrivez pas à avoir donc un job de professeur ou d'interprète, etc., ben vous avez la possibilité de faire une formation complémentaire dans le domaine de guide touristique pour valoriser ce que vous avez appris donc, à l'école. Et vous devenez guide touristique et ça vous permet d'avoir un job. Alors, nous, notre rôle, c'est vraiment de former donc, des jeunes dans le secteur qui leur permet aujourd'hui donc d'avoir une employabilité et donc de travailler. Mais revenons sur aux jeunes, après avoir eu ces formations, de se lancer sur le marché du travail, de postuler comme tous les autres jeunes. Chaque semaine, je peux vous dire, en moyenne, c'est entre 500 et 1000 offres d'emploi que nous publions à travers donc, les partenaires, donc par l'agence emploi jeunes qui reçoit ces offres de ses partenaires toutes les semaines, tous les mardis. Et j'ai même demandé que dans toutes les plateformes WhatsApp, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, etc., que ces offres d'emploi soient vulgarisées. Moi-même, ministre que je suis, sur ma page, il m'arrive régulièrement de publier donc ces offres d'emploi. Alors, quand vous avez les FCQ, quand vous avez les formations complémentaires qualifiantes, il vous faut donc, après ces formations, aller vous inscrire à l'agence emploi jeune, regarder les offres d'emploi et postuler pour les offres qui correspondent à votre profil. D'ailleurs, je peux vous dire que d'après une récente étude donc, que nous avons faite, puisqu'avec la Banque mondiale, nous avons un tel programme, près de 70% donc, des jeunes qui ont bénéficié donc, de ce programme-là ont pu avoir un emploi. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Il y a garçon compliqué. Bon, je ne sais pas comment un garçon peut être compliqué, mais bon, ce n'est pas grave. En principe, les garçons ne doivent pas être compliqués. Mais garçon compliqué dit qu'il est reproché à l'agence emploi jeune de voler les projets des jeunes car après s'être inscrit, ils n'ont plus de suite. Qu'en dites-vous? Alors, c'est deux choses différentes. Le fait d'être inscrit et de ne pas avoir de suite n'a rien à voir avec le fait de voler donc, le projet. L'agence emploi jeune n'a pas de projet. L'agence emploi jeune ne met pas en œuvre des projets. Mais l'agence emploi jeune donc, sélectionne des jeunes, étudie leurs projets, met en place un financement et l'accompagnement pour qu'ils les mettent en œuvre. Donc, que vous n'ayez pas de suite, ça, ce n'est pas normal. Donc, j'ai moi-même demandé à mes collaborateurs de faire en sorte que systématiquement, quand un projet donc, de jeune est soumis, qu'il soit accepté ou pas accepté, mais que le jeune ait une réponse. Accepté, oui, vous avez été accepté, vous êtes financé. Même quand votre projet n'a pas
rencontrer l'assentiment du comité de certification chargé de valider les projets, il faut que l'agence emploi jeune, dans un souci de transparence, vous écrive pour vous dire, monsieur, garçon compliqué, votre projet n'a pas été accepté pour telle raison, telle raison. Maintenant, sur beaucoup de jeunes, effectivement, nous saisir pour dire, mais monsieur le ministre, on a soumis un projet, mais on voit que ce projet est en train d'être exécuté par d'autres jeunes, etc. Alors, est-ce que parce que, je dis n'importe quoi, parce que quelqu'un a décidé, par exemple, de se lancer dans la transformation de l'anacard, par exemple, que personne d'autre n'a pour aider donc de se lancer dans la transformation de l'anacard. Non, vous avez des millions de jeunes comme vous qui peuvent avoir les mêmes idées que vous. Après, le plus important, ce n'est pas d'avoir l'idée de projet, c'est la mise en œuvre. Et l'agence emploi jeune est là pour vous aider. Ce n'est pas parce que vous avez un ami qui met le même projet, que vous, que vous n'avez pas droit à un financement pour faire un projet similaire. Donc, il ne faut pas vous bloquer. Vous avez certains projets. Peut-être qu'un autre jeune, peut-être moins compliqué que garçon compliqué, est en train de mettre en œuvre donc ce projet. Mais ça ne vous empêche pas, dans la même ville, ailleurs, de postuler à l'agence emploi jeune pour avoir des financements pour mettre le même projet. Dans le domaine des fermes, par exemple. Est-ce que vous savez combien de fermiers nous avons aujourd'hui? Des jeunes que nous avons installés dans le domaine agricole. Beaucoup de jeunes ont été installés. Ce n'est pas parce que tel fait l'élevage donc de poulets que vous n'avez pas la possibilité de faire un élevage de poulets. Donc, il faut aller à l'agence emploi jeune avec... et même si votre dossier a été rejeté, il faut qu'on vous explique pourquoi ça a été rejeté. Parce que vous avez toujours la possibilité de retravailler votre dossier et de venir le resoumettre à nouveau. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Il y a Toji Croix Cocody. Bon, avant ça, qu'en est-il d'Agir 3 à Divo? Alors, le programme Agir 3, d'abord, le programme Agir est un programme en entrepreneuriat qui permet de mettre en place des petits financements qui vont de 100 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. Nous avons eu Agir 1 avec mon prédécesseur, le ministre du Touré. Près de 8 000 jeunes ont été traités dans le cadre de ce programme. Lorsque je suis arrivé, on est passé à échelle avec donc, le programme social du gouvernement. 23 000 jeunes ont eu 10 milliards de francs CFA sur l'ensemble du territoire national. Dans toutes les localités, ces jeunes ont été financés. Et puis, donc, devant le succès d'une telle opération, nous avons décidé de relancer encore un autre Agir, donc Agir 3, pour 10 milliards de francs CFA pour 23 000 jeunes. C'est vrai qu'il y a encore quelques lenteurs, parce qu'à ce jour, on a un peu plus de 7 000 jeunes sur les 23 000 prévus qui ont un financement sur l'ensemble du territoire national. Donc l'objectif n'est pas encore atteint. Mais il s'avère qu'il y a des difficultés, je me dois d'être transparent et d'être véridique avec vous. Le dispositif, le mécanisme financier tel que je l'explique à la télé, le gouvernement, pour ne pas prendre de risque, met en place un fonds de garantie auprès d'une banque nationale. La banque nationale prête de l'argent à la microfinance. Et la microfinance prête de l'argent aux jeunes. Et la microfinance a un contrat qui la lie à la banque et au gouvernement, à mon ministère. Au bout de 2 ans, la microfinance est obligée de rembourser donc cet argent. Donc au bout des 2 ans, la microfinance, la COPEC, a remboursé les 10 milliards donc, du gouvernement. Donc le gouvernement n'a rien perdu. Mais sauf que la microfinance qui a prêté de l'argent aux jeunes, au mois d'août, lorsque j'ai fait le point avec la COPEC, il n'y avait que 45% des financements qui avait été remboursé par les jeunes. Donc la COPEC qui prête 10 milliards, qui fait entrer seulement 4,5 milliards, alors que la COPEC a déjà remboursé les 10 milliards du gouvernement. Donc devant ces dysfonctionnements, nous avons eu donc une rencontre avec la COPEC pour essayer de comprendre et essayer de lever les difficultés. C'est vrai que l'engagement avait été pris par la COPEC que tous les 23 000 jeunes seraient financés fin août. Moi-même, je l'avais annoncé. Mais malheureusement, la COPEC n'a pas tenu parole. Nous sommes en train de travailler avec la COPEC à l'effet donc d'accélérer le processus parce que, bon, elle dit être confrontée à quelques difficultés. Le nombre d'agents COPEC qui doivent d'abord vérifier l'effectivité donc des activités ou des lieux d'activité avant de financer les jeunes. Un agent souvent pour près de 1000 jeunes. J'ai décidé que mon ministère donc recrute 300 jeunes pour renforcer les dispositifs de la COPEC pour que le contrôle se fasse plus rapidement et que les financements donc se mettent en place plus rapidement. On est passé de 45% en termes de remboursement à plus de 60% de remboursement aujourd'hui. Et je note que depuis quelques temps, le processus de mise en place des financements donc, s'accélère. Donc Divo ne sera pas oublié. Tous les jeunes qui ont été présélectionnés donc, à Divo, parce qu'il y a la présélection avec des jeunes qui ont été formés, selon le quota qui a été établi à Divo, tous les jeunes donc, de Divo sélectionnés dans le cadre de ce projet auront leur financement. Faites-nous confiance.
Alors, il y a Toji Kouakokodi, pourquoi le décaissement des financements des projets tarde au niveau de l'Agence emploi jeune? Oui, mais parce que on a d'abord le processus en lui-même est tel que lorsque vous avez une idée de projet, vous êtes inscrit, vous avez soumis votre projet, il y a une première analyse qui est faite par les analystes financiers donc de l'Agence emploi jeune. Ensuite, le projet est programmé pour un comité de certification où nous avons l'Agence emploi jeune. Nous avons des experts souvent d'autres ministères parce qu'en fonction du domaine pour lequel vous voulez donc faire votre projet, nous recourons donc à l'expertise. Ça peut être à l'ANADER, ça peut être jeunesse numérique, par exemple, s'il s'agit des questions liées au numérique, etc. Et quand le comité donc, de certification a validé votre projet, les dossiers partent à la banque et à la BNI pour l'ouverture du compte et la création de votre entreprise. Parce que la question qui a été posée précédemment, c'est comment est-ce qu'on sort du secteur informel? Nous avons voulu, à travers la mise en place donc, de ce dispositif de financement, régler la question en faisant en sorte que tous ceux qui accèdent au financement, que toutes ces personnes ouvrent obligatoirement leur entreprise. Obligation de créer une entreprise formelle. Et souvent, ça tarde. L'ouverture du compte à la BNI et la création donc d'entreprises formelles, souvent, met un peu de temps. Mais dès que le comité de certification a validé votre projet, aucun projet n'est validé s'il n'y a pas de ressources disponibles. Donc, si votre projet est validé, c'est-à-dire les ressources sont disponibles, il faut maintenant ouvrir votre compte à la banque et puis créer votre entreprise. Je note aussi qu'on a eu quelques retards au niveau de la BNI parce qu'il n'y avait qu'un seul agent de la BNI qui devait donc s'occuper de l'ensemble des centaines de dossiers reçus. J'ai eu moi-même une séance de travail du directeur général de la BNI qui a pris l'engagement donc d'augmenter le nombre donc de personnes, ressources en interne, qui donc devront travailler sur l'analyse des dossiers pour qu'on ait donc la finalisation plus rapide donc de l'ouverture des comptes, etc. J'espère que mes réponses vous ont satisfait. Il y a Madia Bamba. Est-il possible pour un jeune pas entrepreneur qui n'est pas en règle avec les impôts de bénéficier donc des fonds Covid? Alors, le fonds Covid a été mis en place par le gouvernement, par le président de la République, pour venir en aide donc aux acteurs économiques qui ont été impactés par la Covid. Donc, nous avons le fonds de solidarité, ça c'est pour les populations très vulnérables. Nous avons le fonds pour les grandes entreprises, donc ça c'est vraiment pour les grandes entreprises. Nous avons le fonds pour les PME, donc ce sont des PME existantes qui sont aussi des entrepreneurs. Et puis nous avons le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, dont le secrétariat technique est assuré par mon ministère. Ce qu'on demande pour le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, même si vous n'êtes pas entrepreneur et que vous êtes un acteur du secteur informel et que vous justifiez donc d'une activité, et comment se justifie cette activité? On suppose que si vous avez une activité, que vous êtes dans des villes, dans des communes, en sous-préfecture, vous payez au moins des taxes. Donc le coupon donc, qui justifie le paiement régulier donc, de taxes suffit pour que, avec votre identité et d'autres informations, vous soyez éligible donc, au fonds d'appui des acteurs du secteur informel. La subvention était de 300 000 francs pour vous permettre donc, de relancer votre activité. Non, entre 200 000 et 300 000 francs pour être très précis. Et avec le ministère de l'économie, cette subvention a été harmonisée à 250 000. À côté de ce dispositif, ce que nous allons faire dès janvier, c'est le dispositif des prêts, avec des montants de prêts qui peuvent aller jusqu'à 3 millions de francs CFA. Donc, les fonds Covid sont au nombre de 4. Il faut maintenant regarder où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous êtes une grande entreprise? Donc, vous pouvez donc en bénéficier. Le ministère de l'Industrie s'en occupe. Est-ce que vous êtes une petite et moyenne entreprise? Oui, il y a des conditions donc. Vous voyez l'agence Côte d'Ivoire PME qui vous dira quelles sont les conditions. Ou bien est-ce que vous êtes simplement un acteur du secteur informel? Et en ce moment, oui, vous venez à l'agence emploi jeune, il y a le secrétariat exécutif de ce fonds et vous avez toutes les conditions. Ou bien vous allez sur le site www.fazi.ci, vous avez toutes les informations, vous avez même la possibilité de postuler en ligne en postant vos documents en ligne. Et à ce jour, c'est plus de 100 000 personnes qui ont bénéficié de ce fonds. Au 31 décembre, 77 000 personnes ont eu à peu près 19 milliards de francs CFA. Et à ce jour, plus de 30 000 personnes donc, ont aussi bénéficié de près de 10 milliards de francs CFA. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et ce, sur l'ensemble du territoire national, avec, je peux vous dire, beaucoup de femmes, parce que plus de 50% des bénéficiaires donc, de ces fonds ont été donc des femmes.
Il y a beaucoup, beaucoup de questions maintenant. Silver Mbo, comment pouvez-vous aider les jeunes qui désirent embrasser la carrière politique? Bon, je pensais qu'on parlait d'insertion professionnelle, donc des jeunes. En tout cas, je peux aider les jeunes qui veulent travailler, mais sur la carrière politique, nous avons aussi, au niveau de la promotion des jeunes, une direction qui est en charge de l'encadrement des jeunes, qui fait beaucoup de formations en leadership, souvent en lien avec certaines organisations telles que les NDI, etc. Et ces formations permettent donc à des jeunes, soit qui veulent s'engager politiquement ou qui veulent s'engager donc dans la société civile, de le faire. Donc le ministère encourage ou initie donc des renforcements des capacités donc des jeunes associatifs ou politiques. Maintenant, de mon parcours personnel, je pense qu'il est bon pour des jeunes dans leur pays de s'engager. Je pense que la politique est, tout, est aussi un moyen de transformation, est un moyen d'impacter donc, son pays, son continent, et aussi un cadre qui permet justement de discuter des idées, des propositions, et surtout permet aussi de les mettre en œuvre lorsqu'on a des responsabilités. Ensuite, nous avons Lassine Dosso. Monsieur le ministre, quels sont les outils de surveillance à votre niveau après les financements donc, des projets? C'est extrêmement important. Lorsque je suis arrivé, justement, on a noté hein, que beaucoup de jeunes étaient financés, surtout pour les projets structurants qui partent de 5 millions à 50 millions de francs CFA. Avant, on finançait au-delà. Et j'ai plafonné tous les financements donc, à 50 millions de francs CFA. Les jeunes étaient financés, mais ni la banque, ni l'agence emploi jeune n'avaient, et pour être honnête avec vous, un dispositif efficace de suivi donc, de ces jeunes sur le terrain. Et c'est une situation que nous sommes en train de corriger. Les conseillers projets de l'agence emploi jeune sont beaucoup plus impliqués maintenant dans le suivi des projets. D'abord, il faut s'assurer que quand un projet nous vient qui doit être financé, le projet il est bon. Parce que le premier facteur de succès d'un projet, c'est qu'il soit bon. Il ne s'agit pas de distribuer de l'argent donc, à des gens si on n'est pas sûr que les projets sont viables et peuvent créer donc, de l'emploi. Et nous sommes aussi en train de réfléchir à, et ça va se faire très rapidement, à contracter avec des ONG ou certains organismes qui, dont c'est le job, qui sont sur le terrain, qui peuvent faire le suivi. Et cela est déjà expérimenté dans le cadre donc, des financements CDD, où on a des jeunes qui ont eu des financements jusqu'à 2,5 millions, mais qui sont encadrés au quotidien par des ONG qui viennent vérifier l'effectivité de l'activité, etc. Donc ce dispositif, j'ai souhaité qu'à l'issue de la période de réflexion qui est en cours, où nous allons harmoniser tous les dispositifs de mon ministère, qu'on puisse généraliser ce type d'encadrement sur le terrain, où des jeunes reçoivent un financement, mais il y a des structures à qui le ministère délègue donc, la possibilité d'être dans tous les recoins du pays pour aller suivre donc, ces jeunes au niveau donc de la mise en œuvre de leurs activités. Dans le cadre du programme Agir pour les jeunes, c'est la COPEC. Donc nous avons délégué à la COPEC, donc la COPEC finance, mais la COPEC a en son sein des agents qui se donnent les moyens de suivre ces jeunes-là et de s'assurer que ces jeunes-là remboursent. Ensuite, après Lassine Dosso, alors on a plus que vainqueurs. Donc, monsieur le ministre, doit-on disposer d'une garantie avant de bénéficier de financement de l'agence emploi jeune? Autrement, doit-on disposer d'un peu de fonds pour espérer bénéficier d'accompagnement? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous n'avez besoin d'aucune garantie. Ce que le gouvernement fait à travers donc, mon ministère, c'est de mettre en place justement un fonds de garantie pour permettre donc, aux banques de vous prêter de l'argent. Mais je pense, moi, fondamentalement, que pour un certain montant de projet, il faut que les jeunes, un jeune qui vient de gagner 50 millions de francs CFA, on n'est pas sur des petits financements de 100 000, de 200 000, de 1 million ou de 2 millions. Je pense qu'à partir d'un certain montant, il faut qu'il y ait un minimum de garantie donc, de la part des jeunes. Surtout que malheureusement, il se trouve que des jeunes ont des financements, mais après, rechignent donc à rembourser. Donc, j'ai demandé à mes équipes de mener cette réflexion pour qu'on essaie de regarder, mais à quelles conditions et à quel niveau de financement il faudra prendre un minimum donc, de garantie qui, pour nous, permettra donc de pérenniser même ce fonds. Parce que les ressources que nous avons aujourd'hui, mais il faut bien que ces ressources tournent. Parce que si nous prêtons donc toutes ces ressources sans avoir pris un minimum de disposition pour que nous soyons remboursés, mais vous savez que dans quelques années, il n'y aura plus de ressources pour financer les projets des jeunes. Donc ceux qui prennent l'argent
doivent rembourser pour que d'autres puissent en bénéficier. J'appelle ça la solidarité entre générations. Donc, il faut que les jeunes qui ont les financements sachent que c'est l'argent public, c'est l'argent de l'État, comme ils disent eux-mêmes, mais donc c'est l'argent de tout le monde. Et donc, comme c'est l'argent de tout le monde, ils doivent rembourser pour que d'autres jeunes puissent en bénéficier. Alors, il y a Deto Yves Topa, monsieur le ministre, qu'en est-il de l'insertion des 500 scaphandriers? Alors, je ne sais pas si c'est 500 scaphandriers, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a mis en place un dispositif de suivi. Tous ces jeunes qui ont bénéficié donc de formation dans le cadre donc des FCQ ou même avec l'académie donc de la mer, etc. Mais ce n'est pas seulement, donc les 500 ne sont pas des plongeurs, il y avait plusieurs métiers. Ils sont tous en stage aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier succès du dispositif. Après les formations, ils sont tous en stage. Et après leur stage, il y a un certain nombre d'entre eux qui vont bénéficier de financement pour 113 millions de francs CFA pour s'installer à leur propre compte. Et donc j'ai donné 6 mois à l'agence emploi jeune pour que, après ces stages-là, au plus tard 6 mois après les stages, ces jeunes puissent être accompagnés vers un emploi salarié pour ceux qui ne seront pas installés donc à leur propre compte. Donc retenez que, après leur formation, l'agence emploi jeune a trouvé donc un stage, l'agence emploi jeune et l'Académie de la mer pour tous les jeunes donc, qui ont bénéficié donc, de cette formation. Ensuite, donc on a Bobby Koulibaly. Monsieur le ministre, qu'en est-il d'Agir 2 à Odiené? Car ici, on n'a rien vu de concret. Non, ce n'est pas vrai, Bobby. Tous ceux qui... J'ai été moi-même donc à Odiené, on a remis des chèques. Tous ceux qui ont été sélectionnés à Odiené ont été financés. Peut-être que vous confondez Agir 2 et Agir 3. Agir 2, 23 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national, tous financés. Maintenant, pour Agir 3, j'ai expliqué tantôt, peut-être que vous n'avez pas suivi, que sur les 23 000 autres prévus, nous sommes aujourd'hui à près de 7 000. Et c'est 7 000 sur l'ensemble du territoire national. Donc, soyez un peu patients. Nous sommes en train de régler avec la COPEC tous les problèmes de lenteur liés au remboursement rapide, donc pour ceux qui ont eu les financements Agir 2, liés au renforcement des capacités en termes de ressources humaines pour l'agence emploi, pour la COPEC. Et j'espère que on pourra accélérer rapidement donc, le processus de mise en place donc, de ces ressources. Il y a Savané, Savane, bon, ou bien Savane, Savane. Monsieur le ministre, est-ce que les financements des projets prennent en compte l'ensemble du territoire national? On a l'impression que tout se passe à Abidjan. Non, c'est l'ensemble du territoire national. C'est vrai que les comités de certification, c'est à Abidjan pour l'agence emploi jeune, mais on a d'autres programmes avec le bureau de coordination des politiques d'emploi ou avec les projets CDD et BCPE, non, pardon, CDD et PGDEC, vous avez des comités de certification qui sont donc dans nos différentes régions, présidés par les préfets, et avec des projets qui sont donc sélectionnés, qui sont financés. Même au niveau de l'agence emploi jeune, tous les projets dont je parle là sont des projets qui touchent l'ensemble des jeunes de notre pays. Allez sur le site de l'agence emploi jeune au moment où je vous parle. J'ai demandé qu'on mette sur le site tous les bénéficiaires de tous les programmes dans toutes les localités. Donc aujourd'hui, c'est transparent. Vous allez sur le site de l'agence emploi jeune, vous allez voir nos bénéficiaires, vous cliquez, vous mettez localité par localité, vous aurez la liste nominative de tous ceux qui ont bénéficié des programmes et vous verrez que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est couverte. Ensuite, nous avons Gaël Privat. Monsieur le ministre, le partenariat avec Open Classroom fonctionne toujours. Oui, ce partenariat fonctionne, mais je pense qu'il faut une évaluation aujourd'hui, après quelques années donc de ce partenariat que j'ai trouvé donc ici dans ce ministère. Mais je pense que dans le principe, c'était une bonne opportunité de formation en ligne pour des jeunes qui n'avaient pas forcément besoin de se déplacer, aller en France, etc. Mais je pense aussi qu'avec les promoteurs donc, de ce programme, il nous faut maintenant faire un point, un bilan, pour voir ce que cela a pu nous apporter. Et je pense que ce projet doit continuer et à quelles conditions nous devons donc continuer. Il y a Loukou Nguessan. Qu'est-ce qui est prévu pour les ex-travailleurs de l'agence d'emploi jeune licenciés en 2017? Mais rien n'est prévu. Ils ont été licenciés et leurs droits ont été payés. Il faut que je sois franc avec vous. Ce que j'ai fait lorsque je suis arrivé,
c'est qu'on avait un déficit de personnes et ressources à l'agence emploi jeune. Donc j'ai laissé la possibilité à des ex-employés licenciés de postuler et après un appel donc à candidature, près d'une dizaine d'entre eux ont été repris à l'agence emploi jeune. Voilà, mais ils ont été licenciés parce qu'il lui a été reproché des choses graves. Leur droit donc, a été payé. Donc voilà, donc il n'y a rien de prévu. Maintenant, si demain nous recrutons, pour mille ou une raison, ils ont toujours la possibilité, comme les 10 qui ont été repris, donc de postuler. Et en ce moment-là, s'ils ont les compétences requises, ils seront pris. Bon, je pense qu'il nous reste 5 minutes pour la fin de l'émission. Même si c'est vrai qu'on a commencé avec 10 minutes donc, de retard. Donc, il ne nous reste pas 5 minutes, il nous reste 15 minutes. Donc, il y a Nada Adama. Monsieur le ministre, nos primes de stage école ne sont pas payées. Le savez-vous, que faire? Oui et non. Les primes sont payées, mais je reconnais que les primes sont payées avec du retard. Parce que chaque fois qu'on vous met en stage, c'est budgétisé. Et quand c'est budgétisé, le ministre assure qu'il y a les ressources disponibles. Donc aucun jeune n'est mis en stage s'il n'y a pas de ressources pour payer donc le jeune. Maintenant, il y a des retards, je reconnais, et je l'ai même dit à la télévision nationale, nous sommes en train de travailler pour corriger cette situation. Mais ces retards-là sont dus à quoi? Sont dus au fait que nous avons une rigidité dans la procédure, des procédures de contrôle. L'agence emploi jeune est un établissement public national. Quand le jeune fait le stage, au bout d'un mois, et l'entreprise dans laquelle le jeune a fait le stage, et la représentation de l'agence emploi jeune doit fournir des documents. L'entreprise, attestation que le jeune, tous les jours, était en stage, l'agence emploi jeune, donc, qui confirme, donc, représentation, on envoie ça, donc, à la maison mère Abidjan, en différentes directions, donc, qui procèdent encore à des contrôles. Ensuite, ça va donc chez le contrôleur budgétaire, qui lui-même fait des vérifications. Ensuite, chez l'agent comptable, avant que le jeune soit payé. Et rien que dans cette procédure-là, on a souvent 1 à 2 mois de retard, objectivement. Mais ça, c'est sans compter s'il y a une erreur dans les documents. Parce que souvent, on a des listes de 30 à souvent 300 jeunes. Il suffit qu'il y ait une seule erreur sur un seul nom, que tout le document doit être repris. Donc, ça dit que si vous avez une liste de 30 jeunes et que sur la liste, il y a un seul jeune qui présente des erreurs dans les informations, la liste est rejetée, la liste repart à l'agence régionale qui corrige le document, qui doit rappeler les jeunes, qui doit revenir s'inscrire, etc. Et là, souvent, on va donc au-delà de 2 mois de retard. Mais j'avoue que cela est inacceptable. Et je dis à mes collaborateurs, si nous avons une administration avec des procédures, des règles qui sont rigides, mais cela n'est pas la faute des jeunes. Donc, il n'y a pas aux jeunes de payer pour la rigidité donc, de nos procédures. Donc, nous sommes en train de travailler à alléger donc, ces procédures-là. Et nous avons un accord avec l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, pour que, justement, on ait une procédure allégée, mais qui ne soit pas aussi une procédure qui permet de laisser passer tout et n'importe quoi. Parce que la réalité, c'est qu'on a eu des cas de fraude, et de la part de certains jeunes, et souvent, malheureusement, d'une minorité d'entreprises. Bon, Dieu merci, la plupart des entreprises qui nous accompagnent aujourd'hui, et je voudrais ici saluer toutes ces entreprises qui nous accompagnent, qui offrent des stages à des jeunes tous les mois, sont correctes. Mais il arrive, par exemple, qu'on a détecté que, avec la même signature, même écriture, plusieurs noms différents, avec la même signature. Donc, on est aussi obligé de faire donc, un contrôle pour nous assurer que le jeune a effectivement fait le stage. Il s'agit d'argent public, donc on ne peut payer des jeunes que s'ils ont effectivement fait le stage. Il y a Nada Adama, monsieur le ministre, nos primes de stage et ne sont pas encore ça, je pense que j'ai répondu. Il y a Blé Gogoua, est-ce que des projets de menuiserie dans l'aluminium sont pris en compte dans le financement donc de l'emploi des jeunes? Tous les projets sont pris en compte dans tous les secteurs d'activité, à condition qu'ils soient de bons projets à fort potentiel de création d'emplois. Donc si vous avez, quel que soit le secteur d'activité, si vous avez un projet qui est viable et qui crée de l'emploi, vous êtes éligible. Et si vous êtes ivoirien, jeune ivoirien, vous êtes éligible. Bon, je pense que... est-ce qu'il y a une autre question?
Bon, pour moi, je n'ai pas d'autres questions, mais je pense que s'il y a des questions qui n'ont pas reçu donc de réponse, vous avez la possibilité toujours donc de contacter les services donc du ministère. Vous avez la possibilité donc de contacter l'agence emploi jeu, ou bien vous avez mes pages Facebook. Vous avez aussi la possibilité de m'envoyer donc Facebook, WhatsApp, m'envoyer vos questions directement. Et même si je ne réponds pas moi-même, je ferai en sorte que un collaborateur puisse vous contacter, vous apporter les réponses nécessaires. Je pense que c'est dans un tel exercice, et je voudrais en profiter pour tirer donc les conclusions de cette réunion et de cette séance de travail, et, ou bien de cet échange, tout en remerciant le CICG. C'est dans ce type d'exercice que je pense que nous allons regagner la confiance, parce que je sais que quand nous sommes arrivés à la tête de ce département, on avait beaucoup de jeunes qui ne croyaient plus donc au dispositif, qui ne croient même plus aux chiffres qu'on donne. Monsieur le ministre annonce là pour les prochains jours 5477 jeunes sur l'ensemble du territoire national qui seront financés pour les TIMO à hauteur de 3 milliards et quelques. Est-ce que ce n'est pas des chiffres? Est-ce que ce n'est pas du virtuel? Est-ce que c'est réel, etc.? Oui, c'est du réel. Et c'est pour ça que j'ai demandé qu'au-delà des chiffres, le site de l'Agence emploi jeunes publie systématiquement la liste de tous les jeunes bénéficiaires de nos programmes. Parce que je pense que le gouvernement ne peut pas mobiliser autant de ressources, autant d'opportunités. Et pour des questions de méfiance, de manque d'information, les jeunes passent à côté de ces opportunités. À Korogo, par exemple, nous avons eu 144 opportunités d'insertion publiées. Nous n'avons eu que 40 personnes qui ont répondu donc aux offres. À San Pedro, dans le domaine de la cuisine, avec le GIZ, une étude a été menée. L'étude a montré que pour San Pedro, il y a un besoin en main d'œuvre de cuisiniers, 500 personnes. L'Agence emploi jeune a formé 300 personnes. Ça veut dire que les 300 personnes auront forcément un emploi. Mais après la formation, plus de 100 jeunes parmi ces 300 personnes ont préféré quitter San Pedro pour venir se chercher à Abidjan. Donc aujourd'hui, je ne dis pas que ces opportunités sont totalement suffisantes, mais il y a des opportunités. Mais l'autre vérité aussi, c'est que souvent, même quand il y a des opportunités, on a encore des jeunes qui trient les opportunités. Il y a des jeunes qui refusent d'aller à l'information, des jeunes qui passent souvent à côté d'opportunités parce qu'ils ne vont pas à l'information. Vous avez tous, vous êtes tous sur les réseaux sociaux, n'allez pas seulement sur les réseaux sociaux pour faire de la politique, pour se clasher, faire des buzz, etc. Mais toutes ces informations sur l'insertion professionnelle, sur les opportunités, se retrouvent aussi sur les réseaux sociaux. Donc prenez quand même un peu de temps sur les réseaux sociaux pour aller chercher les opportunités de formation et d'insertion professionnelle. En tout cas, je voulais vous dire merci et dire que vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur le gouvernement, vous pouvez compter sur le président Alassane Ouattara. Tous les jours, nous continuerons à nous battre pour avancer, obtenir le maximum d'opportunités donc pour les jeunes. Et pour vous rassurer aussi, il y a un exercice de vérité. Chaque fois que nous aurons des difficultés, je n'hésiterai pas en tant que ministre de l'insertion professionnelle à vous dire la vérité. On avait prévu ici, on n'a pas pu faire ça. Mais pour l'heure, nous sommes dans une bonne dynamique et je pense que la Côte d'Ivoire a de belles perspectives devant elle, et avec ce que le gouvernement donc fait, et avec ce que le président fait, mais avec ce que nos partenaires au développement font. Parce qu'avec la Banque mondiale, je le répète encore, c'est 150 millions d'euros que nous aurons à partir de 2022 pour donner une opportunité directe à 100 000 jeunes et indirecte à 300 000 jeunes. Avec la BAD, c'est 45 milliards de francs CFA. Avec l'AFD, c'est 53 milliards de francs CFA. Sans compter tout ce que le gouvernement va faire dans le cadre donc, du programme national de développement. Tout ce que tous mes collègues ministères sectoriels font, parce que je suis en charge de l'insertion professionnelle, mais ce n'est pas moi qui crée de l'emploi. Il y a le secteur privé, il y a les différents programmes de tous les ministères sectoriels. Mon rôle, c'est de faire la police, c'est de mobiliser tous les collègues dans tous les secteurs d'activité, c'est de rencontrer le secteur privé pour que chacun joue sa partition et qu'on mobilise le maximum d'opportunités pour les jeunes de notre pays. Il y va de notre avenir à tous. Merci beaucoup et merci au CICG pour ce bel exercice. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale. Bon, vous mettez la pression sur mes collègues qui vont passer à l'émission. Hein? Il ne fallait pas commencer par nous.